What up guys, c'est LP et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Subnautica, l'épisode 4. Et tout simplement, j'avais enregistré cet épisode là une ou deux fois, je m'en rappelle plus trop. Et je le recommence, mais j'ai crafté beaucoup de choses, mais je vais quand même vous les montrer en détail tout de suite. Donc on commence tout de suite. Donc, on est de retour, donc là vous allez vous dire ok, qu'est-ce que tu fais ici, dans cette place? Et ben, tout simplement je vais vous montrer, donc ouais. Ça, c'est j'avais fait dans la dernière vidéo. Donc, c'est un couteau, tout simplement, qui chauffe et qui permet de cuire des trucs. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. On va vraiment, parce que j'ai crafté une grosse base. Ça va peut-être vous faire un choc, mais la base est tellement améliorée. Vous allez probablement être surpris. Attention, on y va. Yeah. So seductive, I take you to the candy shop, I let you the lollipop, go ahead girl, don't you stop, keep going till you hit the spot, whoa, I take you to the candy shop. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite scène, parce que je vous montre un petit peu ma base. Donc on va commencer. Donc oui, c'est gros, c'est très très gros, mais je l'avais fait en une ou deux épisodes, un petit peu de hors caméra, parce que tout simplement... c'est pas autant important selon moi que de crafter des outils par exemple. Je trouve ça quand même important de le découvrir ensemble, mais crafter une base, je trouve ça pas autant important. Donc probablement on a la Moon Pool. Je l'avais pas montré en vidéo, j'avais eu un petit problème au niveau du son. Donc voici notre Seamoth. Donc je l'ai totalement redessiné. En train de pub. Le nouveau Mazda CX-9 2017. Une conduite sans compromis. Je vais simplement modifier la couleur et tout ça. Donc, ici j'ai mis des rechargeurs de haute capacité, des piles, tout ça. Ici, je sais pas c'est quoi ce genre d'espèce de drone. On va pas s'attarder là-dessus. Donc, j'essaie de le faire vite parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ici, le LP's Mutt, comme ça je l'ai appelé. Donc ici on a des petites choses, les places d'amélioration, le fabricateur pour fabriquer des améliorations. Ensuite on va aller par là. Donc ouais, la base a vraiment été améliorée, mais c'est vraiment pour le mieux. Donc ici on a la salle de stockage, donc des arbres, des petites plantes, des petits trucs de bouffe. Donc j'ai quelques petits matériaux, juste ici comme on peut voir. Ensuite ici j'ai une petite sortie. Tout simplement pour aller à l'extérieur. Ici on a un truc pour simplement apprécier l'extérieur, qui est vraiment très très beau. Ici on a un aquarium assez grand, donc on a plein de petits trucs. Vous savez les œufs que je pouvais ramasser, ben j'ai mis des œufs à l'intérieur et ça me donnait ces poissons. Donc on a simplement un rôdeur ici, on a un requin des sables. C'est quand même assez fou. J'ai pas toutes les œufs. Je vais peut-être essayer d'en ramasser dans une épisode. Probablement pas celle-ci parce que j'ai déjà un horaire que je vais faire. Ah oui, j'ai rajouté plein de petites plantes à l'intérieur. Qui sont plutôt cool. On va par là. Et on a tout simplement ma salle réacteur avec mon bio-réacteur. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Sinon ici, j'ai mon petit truc pour fabriquer de l'eau. Et du sel aussi. Ça sépare l'eau. Ça filtre en fait l'eau. J'ai mis une petite affaire d'équipement qui est en bas sur un contour de laboratoire pour que ça fasse plus beau. Ici on a une petite table de craft, le poster Keep Calm du chat, le relais de communication avec les nombreux messages, ça casse les couilles. Ici j'ai ma chambre, donc une très belle chambre avec une poubelle, des valises, le distributeur automatique, un aquarium avec plein de poissons, plein de types de poissons. Mon lit, j'ai mis un espèce de mur de plantes pour que ça fasse beau. Et ici mon petit bureau pour faire mes petites vidéos. Comme ceci. Bonjour les amis. Oh mon dieu, c'était quoi ce... What? Donc c'est à peu près ça. J'ai essayé de décorer le maximum que avec les ressources que j'avais. Mais la base n'est pas encore finie, hein, c'est sûr. Donc on peut descendre en bas. Et on va ouvrir ici. Donc ça, c'est un peu comme pareil. Donc par contre, j'ai changé. J'ai mis des petites affaires dans la même. On a du stuff ici, j'ai trouvé un artefact pourpre dans un autre épisode parce que j'avais exploré une île, mais je vais tout simplement en explorer une autre dans cet épisode. Ici j'ai des matériaux et
et des trucs de kit de soins. Ici, ah oui, j'ai mon petit fabricant de kit de soins. Ici, j'ai le truc de modification. Donc, j'avais fait une lame thermique, des réservoirs. Donc, j'ai modifié un peu mes trucs. Mais le reste, je vais le garder avec vous. Et donc, c'est à peu près ça la base. Donc, j'espère que vous l'appréciez. Oui, j'ai mis plein de panneaux solaires pour vous donner vraiment beaucoup d'énergie. Donc, j'ai essayé de faire le maximum que je pouvais pour cette base. Et j'ai pris du temps. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais je me suis dit, ça va probablement vous faire plaisir. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire de spécial? Je vais vous le montrer. J'ai tout simplement farmé pendant longtemps hors caméra. Et j'ai réussi à ramasser plein de ressources ici. Donc là, vous allez vous dire, c'est quoi ces ressources? Ça sert à quoi? Eh ben, je vais vous montrer. Ok, donc voici un petit peu plus le look de la base. Je vais probablement rajouter des fenêtres, sauf que ça coûte très très cher et je fais de mon possible. Donc, on va monter ici. Oh, désolé. I am sorry. Et là, on a ça. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est la BA véhicule, on l'avait déjà vu dans l'autre épisode. Pour crafter le cimote. Et... Ah, qu'est-ce que c'est? Prawn. Ah! Eh ben, prawn, c'est une espèce d'armure qu'on va pas faire dans cet épisode. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement ceci. On va faire le cyclope, enfin, mesdames et messieurs. J'ai trouvé les fragments, ça m'a pris du temps. Mais j'ai réussi à les trouver. Je suis fier de les avoir trouvés. Et tout simplement, on va faire ça aujourd'hui. Si vous savez pas c'est quoi le cyclope, eh ben je vais vous montrer. C'est un super gros sous-marin qu'on peut vivre à l'intérieur. Et c'est vraiment très très cool. On escalade. Et cyclope. Ce que j'ai conçu pour être manœuvré par un équipage de 3 personnes. Seuls les timoniers expérimentés devraient tenter de piloter seul ce véhicule. Mais c'est immense! Oh mon dieu, regardez comment que c'est gigantesque! Oh mon dieu! Oh, vite! Vite, il faut qu'on y aille! Oh, c'est trop cool! On a un super gros vaisseau! Il est où? Ah, il est là! Oh les amis, c'est plus gros que... Où est ma bite? Montez à bord du cyclope, ok. Si je me rappelle bien, il y a ceci. Donc on peut accoster tout simplement notre cimote. Hop. What? C'est un peu bizarre. Oh. Trop cool. Ah, ok. Donc je vais changer. Donc on va l'appeler LP's Clubs. Comme ceci. Ensuite on a une base qui va être en noir. Une stripe comme ceci. Une stripe comme ceci. Et celui-ci on va le mettre... comme ceci. Donc on va aller voir à l'extérieur. On peut sortir par ici, je pense. Est-ce que... Enfin, ils nous donnent les stockages marchent parce que je me rappelais, il y avait les stockages ne marchaient pas. Et ben on a enfin du stockage, c'est super. Et c'est super. Wow, trop cool. Est-ce qu'on a le nom? Ah oui, LP's Clubs. Ah, trop cool. Ça va être super cool de conduire ça. Monte à bord du cyclope. Hop. Comme ici, donc on a plein de petits trucs. Je vais vous montrer. Donc ici, on a des batteries d'haute capacité. Oh, mon dieu, le moteur. On va aller de l'autre côté. Et ici, si je me rappelle bien, ouais, c'est ici qu'on va pouvoir mettre des petits trucs d'amélioration. Donc on va l'utiliser. Allons-y, ça va être super cool. J'ai trop hâte. Allez, 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 allez. Et hop là. Oh, c'est quoi ça? Quoi? Hein? On a une caméra? Mais non! C'est trop cool! Attendez. Wouhou! Un petit peu de musique. Donc on va ramasser de la bouffe. Et parce que j'ai tout simplement un autre truc à faire. Parce que c'est pas juste ça qu'on va faire pendant l'épisode. On a besoin de bouffe. Donc
Parce qu'on s'en va simplement sur une autre île que j'ai trouvée en hors caméra, mais j'ai pas exploré vraiment. Je l'ai vue, je me suis dit, ok, arrête, tu retournes à la maison, on va pas voir, on le garde pour la prochaine épisode. Parce qu'en plus, j'étais triste d'avoir eu un problème au niveau de. J'avais eu un problème au niveau du son pour le. Pour le montage. Donc, j'ai pas. On n'entendrait en fait aucun. On n'entendait pas ma voix, et je trouve ça plate. Donc. Mais je me suis simplement dit, je vais y aller un autre jour pour la première île que j'ai vue. On va se consacrer sur la deuxième île et on ira à la première île une autre fois. Ok, donc j'ai ramassé plein de poissons et on va retourner tout simplement à la base. Donc je vais vous montrer un nouveau truc que j'ai réussi à faire. J'aime bien les bugs. Je sais pas pourquoi, depuis la dernière mise à jour, mon Somnesca, il bug très très beaucoup. Je peux même pas aller, je peux plus aller au biome mushroom, dans la grotte en arrière d'une espèce de structure. Je peux plus y aller, ça lag trop et mon jeu plante tout simplement. Et donc je vais vous montrer comme ceci. Donc avec du sel, vous pouvez faire un poisson tout simplement asséché. Et vous allez pouvoir le garder dans votre inventaire. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre de la sécher et je vais l'emmener sur l'île. Donc, j'ai tout simplement réussi à faire des palmes ultra glissantes qui augmentent la vitesse. Mais j'aime mieux les palmes de charge qui rechargent votre équipement lorsque vous nagez. Donc, c'est super cool. Donc, ça recharge mon cyclade en même temps. Donc, c'est super. Donc, la bouffe. J'ai un petit peu d'eau. J'ai un petit hooper juste ici. J'ai des piles. Donc je pense qu'on est prêt pour y aller. On est parti les amis. Il nous faut juste notre petit CMOT. Ah oui, j'ai le module de stockage. Bonjour. Ok, on est en route. On est parti pour avoir une grosse route vers cette île. Donc je m'en rappelle plus trop c'est où. Je pense que c'est par là-bas. Et donc on se retrouve tout de suite lorsque j'aurai trouvé l'île. A tout de suite. Re. Donc, je pense que j'ai trouvé. C'est assez proche du bateau, selon moi. Ça va prendre un petit peu de temps à charger. Ok. Donc, what? C'est quoi cette structure-là? On dirait une espèce de tour. Allons-y, les amis. Donc, vous voyez ces gros cristaux? Eh ben, on peut les ramasser avec le prawn, l'espèce de gros exosquelette un peu qu'on avait vu de. Dans la table de craft, dans l'affaire de véhicule. On y go. Ah! Allez. Boum. Oh! Du lithium. Il y a du lithium juste ici. What? C'est bizarre. Donc j'ai appris qu'on pouvait courir. Je trouve ça plutôt cool. Ah! Un artefact. Artefact. C'est le même truc que j'avais vu. Est-ce que ça aurait un rapport avec cet endroit? Oh! Regardez! On est entré le centre de l'île. C'est sûrement une civilisation alien, un truc du genre. Oh, l'inventaire est plein. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en. Tu vas faire le malin avec moi? Non, tu feras pas le malin avec moi. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Peut-être qu'il faut mettre la plaque ici. Oh mon dieu. Insérer le cristal d'ion. J'ai pas un cristal d'ion, moi. Ah, insérer le cristal d'ion. Je n'ai pas de cristal d'ion. Je sais pas c'est quoi. Donc, c'est vraiment la place à aller chercher du lithium. Comme on a pu voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lithium. Si vous en cherchez, eh bien, vous allez là. Et pour ceux qui se demandent, ça sert à quoi le lithium? Vous pouvez l'utiliser pour renforcer votre. Les parois de votre base. Donc, vous installez des espèces de trucs de renforcement. Ça vous prend, je pense, deux titanes et un lithium. Et vous avez un truc de renforcement au cas où vous avez des trous dans votre base. Et ça répare votre base. C'est très très pratique. Oh! Get it out of here. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il y a un léviathan, je savais pas, je savais pas, je savais pas, je savais pas. Attaque-nous pas, s'il te plaît. Oh.
C'est ici, c'est ici. Yes. Ok. On sauvegarde, toujours sauvegarder, c'est super important. Oh mon dieu, c'est trop beau. J'aimerais tellement ça m'installer ici. Le résultat indique que sa structure est composée d'un linge métallique avec une intégrité sans précédent. Rien de similaire trouvé dans les bases de exécution de l'analyse structurelle. Voilà, c'est notre C-MOT ici. LP's MOT. Ok. On est enfin arrivé. J'espère qu'on va se faire attaquer par des aliens. What? C'est trop cool. Oh, qu'est-ce que c'est? Cristadion. On a le cristadion. Et qu'est-ce que ça veut dire, cristadion? Ça veut dire l'analyseur de l'extrême. Attention, attention, attention. Oh. On dirait un cube de Minecraft. C'est spécial. Oh. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que j'ai pris un artefact et il fallait pas... Et que je vais me faire tuer. J'espère que non. J'ai pas le goût de me faire tuer, moi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Scan identicate the facilities control lies beyond this way. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Terminal à artefact. Ah, je pense que c'est ici qu'on va mettre l'artefact. Insérer l'artefact. Hop. On peut y aller. Ça fait tellement peur. C'est vraiment pas ce qu'on pense de Sonetica. Oh, c'est quoi ça? On dirait un générateur. J'ai peur. Oh, attention, attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Nazar, cœur énergétique. On va désactiver. Je sais pas si ça va faire quoi. Ah! The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Qu'est-ce qu'on a fait? Ailleurs sur la planète. Et qui veulent. 800 mètres below sea level, approximately 1 km southwest of this installation. Information recorded to data bank. Au-dessous du niveau de la mare. 800. Mais non, mais vous êtes fous. Est-ce qu'ils m'ont donné un petit truc? Ils sont fous. 800. Donc on peut pas désactiver le truc. Ok. Oh, centre de recherche sur les maladies. Oh. On dirait qu'ils se sont fait attaquer par un espèce de virus. On a dû construire des centres de maladies pour peut-être étudier le virus. Truc du genre, je sais pas. Ok, donc on va pouvoir sortir d'ici. C'était plutôt cool. On a appris un petit peu de trucs, des hypothèses surtout, mais là on va essayer d'aller voir c'est quoi que ça fait le cristal d'ion dans la place où ce qu'on était. Allez, donc oh, qu'est-ce qu'il y a ici? On trouve une espèce de un ajout de base peut-être, je sais pas. On va aller voir. Peut-être une petite place pour s'accoster en dessous. Non, c'est tellement beau, regardez ça, c'est genre rempli de structure, c'est vraiment cool. Donc je vais aller à la place où ce qu'on était allé, où est-ce qu'il il fallait utiliser le cristal d'ion, et on se retrouve là-bas. Ok, donc on est de retour ici. On va voir ce qui se cache juste ici. Juste aller voir. C'est des petits trucs ici intéressants. On dirait que non. Let's go. On va placer ce fameux truc. Vous êtes prêts? On va juste sauvegarder avant pour être sûr. Toujours sauvegarder, super important.
Attention. What? Ok, on sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est un portail? What? Où est-ce qu'on s'en va? Attendez quoi? 1000 mètres? On s'est peut-être téléporté à l'autre base, sauf que ouais non, ça marche pas parce que la profondeur est de 0. À moins que ça compte pas lorsqu'on est à l'intérieur de la base, mais... Parce qu'il avait dit, clairement dit que c'était... 800 mètres en dessous de la surface. Donc on va voir. C'est ça ou si j'ai totalement pas raison. Oh! Je sais où on est. Je sais où on est. On est sur la première île que j'avais explorée mais que j'avais pas... J'avais eu un problème au niveau du montage. Donc c'est ici la première île. Je vous la présente. Donc la voici. Elle est vraiment, vraiment très, très belle. Donc, tout simplement, je me rappelle, j'avais vu un portail en dessous. Et je me demandais si ça servait à quoi. Et ben c'est ça, tout simplement. C'est super. Donc, ouais, il y a des petites bases ici, avec des petits trucs à l'intérieur. C'est pas très, très intéressant. Donc, c'est tout simplement un portail qui relie les deux. C'est vraiment cool. Donc, vous voyez, c'est tout simplement en arrière, à l'arrière de l'Aurora. Ok, donc là je comprends un petit peu mieux ça servait à quoi. Parce que je me rappelais pas, je me rappelais qu'il n'y avait pas eu, il y avait pas de truc pour mettre un cristal, donc je me suis dit ça servait à quoi, comment ça marche. Et surtout lorsque je me suis rendu compte tout simplement que là ça ressemble beaucoup et que là il fallait un cristal, donc je me suis dit c'est un petit peu, je suis un petit peu spécial. Donc je sais pas où est-ce que le portail il est. Je m'en rappelle tout simplement plus. Je vais essayer de le retrouver. On se retrouve tout de suite après. Ok, je l'ai retrouvé. Donc, il est ici. Hop là. Oh! Déjà activé. Super, super vite. Et donc, ça sert à ça, ce fameux cristal là. Ok. J'espère qu'on n'en avait pas besoin d'autres. Parce que j'en ai pas retrouvé d'autres. Des cristals d'ion. Ok, donc il semblerait qu'il y ait quelque chose ici. Je vais retourner tout simplement au CIMAT. Mais je trouve un autre truc. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. On est en train de voir de la base. Qu'est-ce qu'il y a ici? T'en as l'artefact. Donc je pense qu'on pouvait y aller de l'autre côté. Mais j'ai pas vu. Tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Un peu la même chose. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Terminal de données, on va télécharger. Langage inconnu. Oh, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ici? Une porte? Ok. Oh, on a un autre. Un autre cristal. On va essayer d'en ramasser d'autres au cas où on en aurait besoin. S'ils nous en donnaient plus qu'un, c'est que on en a besoin de plus. Okay. Oh, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Un ascenseur? What? What? Où est-ce qu'on est? Oh, on peut insérer un autre artefact. Est-ce qu'il nous en reste? Il nous en reste un seul. Oh. Ah, donc je l'avais pas vu en fait cette place là. Ok, donc je suis de retour avec le CIMAT. Donc on va retourner probablement à la base le plus vite possible. Mais avant, on va aller chercher Cyclope. On va probablement s'arrêter là pour cet épisode. Oups. Oh non. What? Attendez quoi? Non, je l'ai pas pris.
Oh non, mon Simat. Let's go, mission sauvetage du Simat. On va essayer de pas le... On va essayer de pas le bloquer cette fois-ci. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. On se retrouve dans le prochain épisode. On va probablement essayer d'améliorer le cyclope, faire des petits trucs comme ça. Je vais faire un peu d'or caméra pour ramasser des ressources et peut-être fabriquer quelques petits trucs du style un peu de base. Et donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était LP. Ciao! We'll be right back.